Et c'est reparti. Oh oui. L'année est forcément bonne. Tu m'étonnes. Quand on est avec le public de dingue du... Yeah. Dis donc, hein, c'est pas aujourd'hui la galette des rois? J'ai la femme. Oh bah chouette alors. Mais enfin, il paraît qu'il faut que je choisisse un roi, donc c'est pas le tout non plus, il faut... Oh, mais j'aurais franchement préféré un lapin ou un cochon d'Inde, hein. Mais tu t'es vu ? Gaëlle, c'est pas juste. De quoi ? Bah t'as toujours la fève, toi ? Eh ben c'est comme ça, c'est parce que je suis une reine. Bah oui, c'est comme ça. Bah en tous les cas, quoi qu'il arrive, entre les chocolats pour le réveillon de Noël, les chocolats entre le réveillon de Noël et le jour de l'an, le chocolat pour le réveillon du nouvel an, eh ben moi j'ai plus faim. La galette des rois aussi, c'est bon. Ah oui, mais j'ai plus faim. En revanche, j'ai envie de jouer, Gaëlle. Ah ouais, parce que moi, j'adore manger, mais j'adore jouer aussi. Et aujourd'hui, on va jouer avec Sauna, 7 ans de Gisor, qui adore le cheval et la danse. Ouais. Génial. Et Lucas, 6 ans de Cheville la rue, qui adore les toupies et le taekwondo. Ouais. Gros bisous et bonne chance à tous les deux. Oh, Lucas, il est prêt, je le sens chaud, bouillant, le Lulu. Comment ça va, Lucas? Il est costaud, il est là. Hey, Lucas, est-ce que tu peux nous faire une petite prise de taekwondo, s'il te plaît, avant de commencer? Regardez, attention. Bah, oula, il faut pas l'énerver, Lucas. Vous avez vu la fin? Est-ce que vous avez vu la fin, comment il met le bras comme ça, genre je te défie, mon copain? Ouais. Lucas, notre champion face à Sauna. Ça va, Sauna? Oui. Fan de danse? Est-ce que tu peux nous faire un petit pas de danse avant de commencer, s'il te plaît, dans le salon? Voilà le saut de biche, enchaîné avec un triple loop piqué et un petit déséquilibre avant. J'adore l'idée. Les copains, est-ce que vous êtes prêts à jouer? Oui. Lucas, est-ce que tu es prêt à jouer? Oui. Les copains, est-ce que vous voulez gagner des cadeaux? Ouais. Oui. Sauna et Lucas, vous allez faire une compétition de chamboule-tout à la maison. Alors on vous a demandé effectivement de préparer 3 boîtes de conserve. Il va falloir avec votre balle que vous les fassiez tomber le maximum de fois en 1 minute 30. Alors attention, une fois que vous aurez fait tomber vos 3 boîtes de conserve, il faudra que vous couriez pour les remettre en place. 1 minute 30 pour faire la différence. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. J'ai rien entendu, Lucas. Est-ce que tu es prêt, toi? Ouais. Oh, attention, faut pas l'énerver, le Lulu, il est chaud, il est là, il est chaud patate. Attention, 3... 2, 1, et top chrono. C'est donc parti pour le chamboule-tout à la maison, vous l'avez compris. Avec direct Sauna qui fait tomber 3 boîtes de conserve, tandis que notre ami Lucas en fait tomber 2. Il remet en place, forcément, il faut aller vite sur la remise en place pour enchaîner. Allez, ce qui fait pour l'instant 3-2. Oh là là, au-dessus, Lucas. Et Sauna qui refait tomber 3 boîtes de conserve. Elle passe à 6, passe à 2 pour Lucas. Lucas qui en refait tomber 2. 6-4 pour l'instant. C'est un très beau match, mais pour l'instant, c'est Sauna qui a pris l'avantage. Lucas qui remet comme il peut les boîtes de conserve à la maison. Et vous voyez la main de la maman qui est là. C'est ici, c'est comme ça qu'il faut faire. Oh oui, bien joué. Lucas qui fait tomber 3 boîtes de conserve, qui passe donc à 7, 6-7. Mais Sauna qui en fait tomber 2 supplémentaires, 8-7. L'avantage est repris par Sauna. 8-7 et Lucas qui remet toutes ses boîtes de conserve hyper vite. Bien joué. Alors que Sauna est en train de chercher sa boîte. Et du coup, Lucas qui égalise 8 partout sur ce superbe match. Ça va se jouer à pas grand chose, je vous le dis. C'est vraiment un truc. Oh là là, l'avantage est pris maintenant. L'avantage est pris pour Lucas qui a fait tomber une boîte de plus. Ce qui fait 9 à 8. Mais Sauna qui en fait tomber 2, elle reprend l'avantage, 19, et Lucas qui égalise 10 partout, c'est très beau, je vous le dis, à la maison, c'est un truc de dingue. Ils y vont, ils enchaînent, oh là là, et Sauna qui fait une petite faute, oh là là, Lucas qui fait tomber 3 d'un coup, il prend l'avantage, 13 à 10, mais Sauna qui en fait tomber 2, 13-12, maintenant c'est Lucas qui est devant, Lucas qui est largement devant. Je vous raconte qu'il reste très très peu de temps, ça va se jouer, oh là là, Sauna qui en fait tomber 3, 3 Sauna et Lucas qui en fait tomber 2, et stop pour le chronomètre. Sauna, Lucas. Lucas, tu as été malmené au début de l'aventure. Sauna a été largement devant. Tu es revenu, tu as grappillé au score, Lucas, et tu as pris l'avantage à quelques secondes de la fin. Mais Sauna, avec ce dernier jet, a fait basculer les choses. En tous les cas, pas forcément basculer, mais a égalisé 15 boîtes de conserve partout, les copains. C'est donc une magnifique égalité. Ils ont le sourire jusque-là, nos deux, Lucas et Sauna. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Eh bien, attention, tous les deux, vous avez gagné cette montagne de cadeaux à partager. Mais non, je rigole, vous avez chacun tous ces cadeaux. C'est fou, c'est dingue et ça nous fait plaisir. C'est génial. J'ai envie de pleurer tellement ça m'émeut. Oh, tu peux pleurer, Gaëlle, et je peux te dire qu'ils sont hyper contents à la maison. Lucas, est-ce que tu t'es amusé? Oui. Lucas qui commence à faire la danse de la victoire, tu vois, la danse de la boîte de conserve. Salut les gars, c'est moi qui ai gagné. Sauna, est-ce que tu t'es amusé? Oui.
Sauna, elle arrête pas de sauter partout. On va l'appeler le kangourou à la maison. Bon, Lucas et Sauna, je vous dis à très très bientôt. Et alors, Gaëlle, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire au jeu connecté? Alors, attention, pour jouer, écoutez-moi bien, ouvrez les escourdes. Vous ouvrez votre ordinateur et vous allez sur gulli.fr. C'est tout simple, en fait. Oh! Oh, au quoi? Bah, j'ai des copains qui me proposent d'aller à la pêche. Oh, t'as trop de la chance, toi. Bah, tu veux venir avec nous? Ah bah moi j'adore être, je suis un vrai champion. Hein. C'est vrai? Tu peux pas imaginer ce que je peux ramener. Oh, oh là là, c'est un gros. Oh, ça va. Oh là, oh, oh c'est... Oh, comment ça s'appelle? Oh, attends, oh là là, attends, oh, oh. Et voilà. Mais t'as déjà pêché des poissons? Hein? Des poissons. Ah non? Quoi? Bah pour les poissons, faut juste lancer plus loin, les petits gars. Alors, hé, hey, hé hey. Et hey, voilà. Bah non, en fait, je suis nul. Ah bah oui, c'est ah bah pour oui. ça, alors. Mais en revanche, fais attention avec tes copains, parce que la pêche, ça peut vite être dangereux. Ah bon? Ah oui, bah regarde dans Pokémon, par exemple. Mm. Ah bah, ils partent à la pêche, et ça tourne vite à la bagarre. Pam, pam, pam. Ah hey, ouais. D'ailleurs, ils arrivent tout de suite. Oh. Et nous, on se retrouve juste après. Moulinette, pêche à la mouche. Elle était forte. C'est vrai? Ouais.